Mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois dire ma gratitude au président de la République pour m'avoir confié la facilitation du dialogue politique qui tire à sa fin. Ce travail, je l'ai effectué avec la collaboration active du professeur Victor Topan, rapporteur principal, appuyé par M. Orden Aladati, rapporteur représentant la mouvance présidentielle, et M. Luc Sizogan, rapporteur représentant l'opposition. Chaque participant avait clairement manifesté la conscience évidente que le sort de notre pays appelle un sérieux et une application irréprochable qu'il a généreusement assurée. Je voudrais, pour ces raisons, avec votre haute permission, remercier tous les participants d'avoir grandement facilité la tâche à moi, le facilitateur. Excellences, Monsieur le Président de la République, ma tâche a été aussi facilitée par le discours ample et circonstancié que vous avez bien voulu délivrer pour l'ouverture du dialogue politique. Son exploitation nous a permis de dégager 5 points d'ordre du jour pour l'organisation des débats. Et ces 5 points s'énoncent comme suit. Premièrement, le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques. Deuxièmement, le renforcement du système partisan. Troisièmement, la recherche de l'équité dans la représentation nationale, notamment une plus forte représentation des femmes au Parlement, comme la prise en compte de l'évolution démographique dans les circonscriptions électorales. Quatrièmement, la nécessité d'un véritable statut de l'opposition. Et cinquièmement, enfin, les mesures d'apaisement appelées par la crise électorale. Nos travaux ont été sanctionnés par un rapport qui vous sera officiellement remis par le rapporteur principal, qui vous en présentera auparavant la synthèse. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques ici présents, Mesdames et Messieurs les délégués au dialogue politique, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos grades, fonctions et qualités. Monsieur le Président de la République, il vous a plu, ainsi que vous l'aviez annoncé une première fois le 20 mai et une seconde fois le 15 juillet dernier, de convoquer les responsables politiques de notre pays afin, d'une part, d'étudier ensemble les voies et moyens pour sortir notre pays de l'état de morosité dans lequel il est plongé, depuis les élections législatives d'avril dernier, et d'autre part, de penser ensemble et sereinement le système politique le mieux à même de servir efficacement et durablement l'intérêt général. Vous avez eu raison de le faire, Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables de partis politiques,
Mesdames et Messieurs les délégués au dialogue politique, très distingués invités. Si l'émotion était facilement perceptible sur la peau noire, les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. J'ai la chance que ma couleur de peau masque mes émotions. C'est dire, mesdames et messieurs, que c'est avec grand bonheur que je viens de suivre, de recevoir le rapport de vos assises, dont les conclusions me convainquent une fois encore que nous sommes un grand peuple et que nous savons nous montrer à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Il nous suffit de le vouloir et de nous mobiliser pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire notre grande cause. La seule qui détermine notre engagement et nos actions. Je note avec satisfaction que pendant ces quelques jours, tout au long de vos échanges, vous aviez pour repère essentiel le Bénin, son avenir et notre unité. Chers délégués, cela vous honore et je voudrais humblement vous en féliciter. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les délégués, permettez-moi de vous avouer que mon étonnement et ma fierté ont été au plus fort quand il m'a été rapporté que vos discussions intenses, parfois passionnées et vigoureuses, se sont déroulées dans une ambiance de courtoisie et de convivialité inespérée. Pour cela, je voudrais encore une fois vous adresser mes félicitations. Cela témoigne de ce que nous savons nous retrouver quand l'histoire et les circonstances l'exigent. Nous savons renoncer à nos acquis, renoncer à nos frustrations pour ne laisser la place qu'à la République, pour ne nous laisser guider que par l'intérêt général. C'est bien la marque des grands peuples. Et c'est au nom de ce peuple que je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion et son sens de consensus. Chacun, à sa manière, a contribué aux résultats si positifs de ces assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne et nous tous avec. Mesdames et messieurs, j'ai également noté avec satisfaction, sauf à me tromper, que vos recommandations ne remettent pas en cause la nécessité de réformer le système partisan en renforçant le rôle des partis politiques d'envergure nationale. Il n'y a pas,
à s'émouvoir des incompréhensions ou des divergences de vues qui sont enregistrées depuis quelque temps à ce sujet. Il va ainsi des réformes. Un temps, elles paraissent prématurées. Un autre, elles semblent pertinentes ou urgentes. Un autre encore, elles paraissent dépassées et nécessitent des réaménagements. C'est bien le signe qu'elles sont les réponses aux préoccupations des époques qui les font naître et qu'elles n'ont pas vocation à s'imposer éternellement. Seul le Bénin est éternel. C'est pourquoi, chers délégués, chers participants, distingués invités, chers aînés, les propositions d'amélioration au test que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. Je voudrais, émotion faisant, ne pas aller plus loin et vous dire que sur cette note d'assurance que je voudrais déclarer clos le dialogue politique qui nous rassemble. Je voudrais, pour finir, encore une fois, vous adresser mes remerciements et mes félicitations les plus méritées. Merci.